super, je vais cadrer, ça commence bien. Et là, c'est mieux. Et bonjour, j'espère que ça va. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo sans contexte de mini-série. Et bien, c'est reparti. Je vais faire cette vidéo concernant les 5 oignons, puisque récemment, ma collection s'est élargie, mais je crois qu'elle a limite triplé. J'en avais 5, j'en ai 13-14, donc elle a quasiment triplé. C'est compliqué. C'est compliqué puisqu'en fait, bon là-bas j'en avais 5, ils avaient tous leur place tranquillement, ils poussaient très très bien. La preuve pour celui-là. Là, vu que j'ai reçu 8 boutures, quelque chose comme ça, elles sont en permiculite, je vais vous expliquer comment et pourquoi et quel contexte et tout. Mais je vais devoir surtout les rentrer en hiver. Là, on est mi-août, c'est-à-dire qu'on... pas du tout mi-août, on est mi-septembre. On est le 17 je crois. Il fait froid, il fait gris, il fait pas beau. Et je crois que les boutures de syngonium, elles aiment pas trop. Donc bientôt, je vais devoir les rentrer. Il faut que je commence déjà à penser où est-ce que je vais les mettre. Mais j'ai pas la place, hein. Clairement, je vous le dis, j'ai pas la place. Je vais me débrouiller, j'ai pas le choix. Alors, je vais commencer par vous présenter les premières variétés de syngonium que j'ai eues. Dont le monstre, je vous le présenterai peut-être à la fin, puisque je peux pas trop le déplacer. Parce que sinon, je vais galérer. Je vous le dis de suite, je vais galérer. Régulièrement, ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez le voir dans mes stories. Si les autres, ils poussent à la même vitesse... Je suis dans la merde. Mais bon, on a le temps avant de voir ça. Alors, lui, c'est le Syngonium Trileaf Wonder. Le feuillage très caractéristique. Trifoliolé, comme ça. Je l'ai acheté au début du printemps, il me semble. Ouais, je crois que c'est au début du printemps. Je cherchais un Syngonium Albo Variegata. En fait, quand j'ai vu le prix... Je crois que c'était 80€ la liane de 20-25 cm avec pas trop de variegation selon moi en plus. C'était mort. Je voulais pas acheter un syngonium à ce prix là puisqu'en fait j'aurais refusé de mettre un prix aussi élevé même pour un bégonia. Bon sauf si c'est le Brevirimosa. Mais du coup je me suis dit ben, quitte à acheter une plante de 80 balles autant que ce soit une plante pour laquelle j'ai un coup de cœur. Or le syngonium Albo Variegata sur les photos Instagram il était magnifique. Sur plusieurs comptes d'ailleurs, il est magnifique quand il y a beaucoup de blanc avec mélangé beaucoup de vert. Je trouve ça très beau. Mais en vrai, c'était pas le même effet. Donc j'ai rebroussé chemin. Je suis tombé sur celui-là et en fait, je le regrette pas. Il était dans un pot plus petit que celui-là. Attendez, je vais vous le montrer. Je sais que les racines sortent du pot. Bon, je savais pas qu'elles sortaient autant du pot. Il était dans un pot beaucoup plus petit que celui-là. Je l'ai rempoté le jour où je l'ai acheté. Dans le substrat de Jungle Eden, le substrat à racines intermédiaires. Il a explosé. Regardez-moi ça. Il a explosé. Bon, il fait des feuilles de plus en plus petites. Là, il commence à m'énerver. Mais bon, je pense que c'est un manque de lumière ou... Je ne sais pas. J'avais dans l'idée de le faire grimper. Sauf que quand je l'ai acheté, il était déjà retombant. Et j'ai pas voulu le choquer. Sauf que je suis en train de capter que plus il va vieillir, plus il va faire du tronc. Enfin, du bois presque. Et plus ça va être compliqué de le tuteurer. Alors je le trouve très beau en retombant comme ça, mais je préfère les syngoniums qui grimpent puisque les feuilles vont devenir plus grosses normalement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut être un très très gros sujet, bien qu'il commence à être bien mastoc le type, hein. Vous pouvez le voir. Voilà, il est ultra simple d'entretien. Je l'arrose de temps en temps, je fais attention à ne pas faire d'excès d'arrosage, bien qu'il le supporte en été. Il est à l'intérieur toute l'année puisque je l'ai acheté au printemps et j'ai pas forcément trouvé la place de le mettre dehors. Il s'y serait plu aussi. Mais j'ai pas trouvé la place, donc il est resté à l'intérieur, il a peur de s'en plaindre. Il est resté pendant une semaine sans trop de lumière pendant que j'étais en vacances. Il a pas perdu de feuilles, ou alors il en a perdu une ou deux, mais bon, par rapport au nombre de feuilles, c'est vraiment dérisoire. Vraiment pas compliqué du tout. Bon après, il faut aimer le feuillage tout vert et la forme, hein. Mais quand on est un addict des syngoniums, je pense que c'est vraiment un must have celui-là. Il faut vraiment l'avoir. C'est déconcertant la facilité avec laquelle on peut entretenir une plante. Plante qui grandit vachement vite. Hein. Franchement, je suis encore choqué de la taille qu'il a. Je m'en occupe pas plus que ça. Mais ça se voit d'ailleurs aux racines. Simple, mais simple. Et je pourrais en faire des dizaines de boutures. Hein. Mais bon, pour le moment, j'ai pas envie de le bouturer, j'ai juste envie de le tuteurer. Mais bon, on verra ça quand je le ferai. Mais je pense qu'on pourra... T'accroches pas au géranium, toi. Je pense qu'on pourra le faire ensemble. Si ça vous dit. Franchement, si jamais vous le voyez en jardinerie, que vous hésitez à l'acheter, foncez les yeux fermés. Franchement, les yeux fermés, je vous le recommande, sans problème. Donc ça, c'est le Trileaf Wonder. Hi. Ensuite, l'an dernier, quand j'ai acheté le Chlorophytum Orchidastrum, j'avais aussi trouvé trois variétés de syngonium. Il y a le Mango Allusion, le Maria Allusion et
le Nyon Robusta. Et je vais vous les présenter de suite. Alors si je me mélange les variétés, ne m'en voulez pas. Ça je crois que c'est le mango. Non, pas le mango. Si, c'est le mango allusion. Je crois que c'est le mango allusion celui-là. Alors, je l'ai acheté. Il faisait peut-être de taille juste. C'est peut-être ça. Voilà. Il faisait juste cette taille-là. Grosso merdo. Et il a explosé ce printemps. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces feuilles. Mais d'accord, elles sont énormes. Alors peut-être que c'est... Les avions, les voitures qui vont passer. Je m'excuse d'ailleurs pour le bruit si vous allez en entendre. Je l'ai passé à un aracée intermédiaire. Explosion! Regardez-moi ces feuilles. Bon, va falloir que je le tuteur, on est d'accord. Regardez-moi ça. Il a des tiges super robustes. Il n'arrête pas de me faire feuille sur feuille. Je sais pas si vous la voyez là. Voilà. Une là, il doit y en avoir certainement ailleurs. Mais franchement, c'est le syngonium sur lequel j'avais eu le moins de coup de cœur quand je l'avais acheté. Mais vu qu'il y avait plusieurs variétés, je me suis dit autant agrandir sa collection. Et franchement, je le regrette absolument pas. C'est celui qui a le plus grandi des syngoniums qu'il y a à l'intérieur actuellement. Alors, il y a eu quelques déformations, mais bon, je pense que c'est peut-être l'irrégularité de mes arrosages et peut-être le manque de lumière qu'il y a eu pendant une semaine aussi quand j'étais en vacances. En tout cas, très simple d'entretien lui aussi. On peut voir les nervures bien rosées. Magnifique. Près de la lumière, près de la fenêtre, pas de gros entretien particulier. Juste, putain, les voitures elles vont s'en saouler. Juste un tuteurage dans quelques temps, puisque je pense que sinon la tige elle va facilement se casser. Et c'est pas le but, il est choqué de la facilité. Après je dis ça sur un bégonia, il est mort. Hein. Il pousse assez rapidement. Donc avec ce mango allusion là, il y a le Maria allusion. Ah merde, il y a les racines. Bon, il faudra le rempoter le printemps prochain. Mais voilà le Maria allusion. Les feuilles deviennent un petit peu plus chocolat quand elles sont jeunes. Regardez-moi ça. Attendez que je vous le... Là. Par exemple, vous voyez, c'est bien marronâtre. Marronasse, marronâtre. Bon, t'as compris. Il me fait feuille sur feuille. Là, il y en a une, deux... trois préparations. Donc du coup la particularité, c'est comme vous pouvez le voir, les jeunes feuilles sont bien marron et plus elles vieillissent, plus elles se teintent de vert foncé. Les nervures restent légèrement marron, on peut le voir. Magnifique, un port bien compact. Lui aussi je vais devoir le tutorer, de toute façon je vais tutorer tous les syngoniums, donc faut que j'achète une dizaine de tuteurs. Pareil, arrosage, j'essaie de maintenir la motte humide. Alors là je vais faire attention aux arrosages, vu qu'on va arriver très rapidement vers l'automne. Il va falloir que je fasse attention aux excès d'arrosage. Mais je préfère laisser bien sécher le substrat. Comme ça. Pas de risque. Franchement, c'est de très très belles surprises. Je les avais achetées juste parce que je voulais agrandir ma collection de syngoniums sans vraiment connaître leurs caractéristiques, leurs besoins, leur entretien. Je le découvre au fur et à mesure et franchement, finger in the nose. Ultra simple. Je pense que lui, l'an prochain, il va exploser aussi. Il va falloir acheter une maison en force. Hein. Et là, le Néon Robusta. Alors lui, il a été plutôt timide à pousser cette année. Alors, il a bien grandi. Il faisait la moitié de la taille qu'il a actuellement. Il avait commencé à s'affaiblir un petit moment. Sûrement un mauvais entretien de ma part. Je l'ai passé le même jour à un substrat aracée intermédiaire. Et il a bien survécu. Il est toujours collé à la fenêtre, lui, comme les Mango Allusion et le Maria Allusion. Et il se développe assez facilement. J'ai pas eu trop de problèmes pour le moment. Là, il me fait une... 4 feuilles qui se déroulent. On peut voir qu'il est bien rose pour le coup. Et encore, je pense qu'il pourrait l'être un petit peu plus. Donc c'est sûrement un manque de nutriments peut-être, ou un manque de régularité dans les arrosages, ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, il n'a pas le choix. Et ça n'a pas l'air de trop le gêner. Lui, il est plus timide à pousser. Même les racines, elles sont un petit peu plus lentes à sortir. Il y en a une qui sort ici. Rien de bien folichon. Il a l'air de pas trop mal aller, ça va. À jardinerie, en ce moment, j'en vois beaucoup. Des beaucoup plus gros que ça, pardon. Et bon, vu que j'ai celui-là, je vais pas en racheter un autre. Mais faudrait que je le tuteur avant que je galère. Pas comme le mango allusion qui, lui, va me poser, je pense, problème. Il va falloir que j'enlève la motte, que je sépare bien les racines pour pas les casser. Je me débrouille. On le fera ensemble dans tous les cas. On fera une session entretien des plantes. Je pense au printemps prochain. Voilà, le Néon Robusta. Là, ça y est, je pense qu'il est sauvé. Il est bien reparti. Et donc, du coup, je pense qu'il va bien exploser l'été prochain. J'espère, en tout cas.
Et là, on va passer dans le vif du sujet avec les boutures que j'ai reçues. Ça fait maintenant une semaine, ça va faire une semaine, voire même une semaine et demie que je les ai reçues. J'ai échangé, pour ceux qui n'ont pas suivi, des boutures de bégonia contre des boutures de syngonium. Je m'attendais à avoir 4-5 variétés, j'en ai eu le double. Parfait. Donc merci, mais merci, merci, merci 100 000 fois Digital in Bolton. Je mettrai le lien en description. Pour toutes ces boutures, elles sont magnifiques. Pour le moment, il n'y a eu aucun problème pour le moment. Elle m'a dit que c'était minimum 13 degrés dehors. Donc je pense que bientôt, il va falloir que je les rentre puisque il fait gris, froid. La nuit commence à faire 13 degrés justement. Donc il va falloir que je les protège très rapidement. Ce serait con que je fasse crever les boutures maintenant. Mais voilà, je vais vous les présenter. C'est parti! Alors, quasiment toutes les boutures sont en permiculite, c'est-à-dire perlite et vermiculite à 50% les deux. C'est la manière de Jungle Eden. Putain, il faut que je cadre mieux quand même. Ça va le faire comme ça. Là, c'est le Wendlandi. J'espère ne pas foutre de la permiculite partout. C'est une toute petite bouture qui commence à me ressortir une feuille. On peut le voir, je crois, ici. Ouais. Permiculite, puisqu'en fait, c'est du minéral. Alors, j'ai pas apporté d'engrais encore pour le moment. Mais je le maintiens humide pour qu'elle ait le temps de faire son système racinaire tranquillement. Mais faudra pas que je tarde trop à les rentrer, puisque sinon, je pense que je vais très facilement les perdre, et ce n'est pas le but. Je m'excuse encore pour les bruits des voitures ou des avions, hein. Je pense que je capterai pas à chaque fois qu'il y en a un. Mais voilà, le système, c'est un gobelet pas percé avec un fond d'eau, ce gobelet-là percé avec permiculite, qui trempe dedans. Ça maintient tout ce petit système dans l'humidité. Et normalement, il est censé kiffer. Alors là, il n'est pas très très représentatif, bien qu'il y ait du vert avec la nervure blanche. Mais normalement, c'est des feuilles bien plus longues. Mais il est en train de commencer à pousser. Donc on va pas le stresser, le pauvre. Mais en tout cas, le Wendlandi, j'ai hâte qu'il devienne gros parce qu'apparemment, il est super beau. Il est légèrement duveteux d'après ce qu'on m'a dit. Alors là, on ne le voit pas forcément. Et je le sens pas forcément au toucher. On va voir si j'arrive à le maintenir humide. Et à le maintenir en vie surtout. Je vais essayer de le maintenir légèrement humide. Bon, faut que je fasse attention à plus de 130 plantes, alors c'est un peu compliqué, je vous avoue. Mais bon, je les ai voulu, j'assume. Donc ça, c'est le Wendlandi. Là, c'est le Momomorito. Regardez-moi ce feuillage. Il est juste canonissime. Je suis choqué. La bouture, en plus, elle est grosse, je trouve. La racine a continué à se développer au milieu, donc si jamais il y a un problème, je pourrais toujours le bouturer. Donc voilà, toujours vermiculite, hein. J'espère que je ne suis pas en train de le noyer pour le coup. Là, j'ai peut-être un petit peu trop d'eau. Mais bon, pour le moment, il a l'air de plutôt kiffer. La feuille continue à se développer. Celle-ci, là. Bon, celle qui est au milieu, là, vous voyez. Elle a l'air de plutôt bien pousser. Il est trop beau. Franchement, j'ai vu sur un site, je crois que c'est plnts.com, il me semble, la bouture du Morito, 80-70 euros. C'est hors de question pour moi. Et je suis trop content de l'avoir eu gratuitement. Franchement, je suis aux anges. J'ai trop hâte qu'ils poussent tous. Trop hâte. Si bien évidemment vous avez des conseils pour telle ou telle variété, n'hésitez pas à me les communiquer, vous serez bien aimable. Parce que j'ai ultra peur d'en faire mourir un ou deux ou tous. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Si je dois les mettre en cloche ou si je dois apporter tel ou tel nutriment, n'hésitez pas à me le communiquer, s'il vous plaît. Parce que j'ai vraiment peur de les faire mourir, mais il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, je suis fan de son motif. Franchement, osez me dire que c'est pas beau. C'est faux. Là, j'ai le Red Arrow. Magnifique. Alors moi, c'est juste une toute petite bouture pour le moment. Il commence à me faire une petite pousse, je viens de voir, même deux, à chaque yeux, à chaque œil. Vous avez compris, hein. Je sais que dans ma wishlist, la troisième vidéo que j'avais sortie sur la chaîne, je parlais de celui-là, comme quoi c'était le moins syngonium des syngoniums. Enfin, dans la forme des feuilles, dans le port de la plante aussi, puisque lui, il a plutôt le port retombant. Alors, je sais pas si je peux le faire grimper. On va voir, mais dans tous les cas, je pense que c'est un des plus originaux. Le revers, il est rouge foncé, vous pouvez le voir. Et le dessus des feuilles, il est vert foncé. Je regarde s'il y a des racines, ne sait-on jamais. Mais je pense que c'est un peu tôt, puis c'est peut-être pas la meilleure saison non plus. Je vous ferai un update hein, si jamais vous en voulez un. De toute façon, même si vous en voulez pas, je le ferai. Mais vraiment, j'ai une collection de ouf. Par contre, j'ai quelque chose qui est en train de me chier sur les plantes et je sais pas ce que c'est. Alors là, désolé pour mon accent. Mais ça, c'est le Syngonium Frosted Heart. Alors là, je crois qu'il jaunit la feuille puisque je pense que j'ai peut-être un petit peu trop enterré la bouture.
Non, je pense qu'il est en train de sacrifier cette feuille-là. Et peut-être qu'il n'a pas eu assez de lumière. Ou... Mais bon, dans tous les cas, celui-là, je l'avais vu il y a peut-être 2 mois, non, un mois et demi, on va dire, dans un botanique pas loin de Toulouse, à Blagnac. J'ai failli l'acheter, puis je me suis dit non, on va réserver l'argent pour les vacances, et j'ai bien fait. Alors, je connais pas non plus ses besoins, parce qu'apparemment, c'est un fou d'humidité. Sauf que moi, quand on me dit fou d'humidité, je pense aux bégonias qui sont en train de claquer. Ouais, j'en ai un qui est mort. C'est le Benito Chiba, je suis dégoûté. Mais bon, là on parle des Sengos, la feuille ultra originale, on est d'accord. Voilà, j'ai hâte qu'il pousse, lui aussi. Faudra que je surveille, hein, parce que si jamais il kiffe trop l'humidité et que je suis pas capable de lui en apporter, j'ai pas envie qu'il pourrisse quand même, je vais essayer de me débrouiller. Si vous avez des conseils, n'hésitez vraiment pas, hein, s'il vous plaît. Je sais pas s'il pousse vite. Bon là, je sais que ça va pas être la saison pour qu'il pousse, donc on va voir. Peut-être qu'il a froid aussi. Je pense que je vais rentrer très très rapidement parce que j'ai trop trop peur. Je sais pas si vous voyez, ici, là. Avion plus voiture, combo gagnant. Hein. Voiture de confetti. Alors, elle m'a donné juste un œil et c'est très bien. Et il est en train de développer la pousse. Tiens, j'espère vraiment pouvoir vous le montrer, mais j'ai peur d'en foutre partout en fait. Je crois qu'on voit la pousse là. L'œil est en train de se réveiller, donc ça c'est plutôt cool. Il n'a pas l'air d'être trop compliqué. Et puis quand je vois le prix sur internet, j'espère qu'il n'est pas trop compliqué parce que je ne me vois pas acheter une bouture à ce prix là. Mais en tout cas, il avait une petite racine, donc déjà, je pars pas de zéro. Et j'ai hâte de voir la première feuille, voir si je vais réussir à garder les variegations ou leur faire faire. Surprise! On va voir. On va voir. Là, c'est le Albove. Je vais foutre le feu aux voitures, à force. Hein. Là, c'est le Albove variegata. Bon, je pense que vous pouvez le voir. Il me fait une feuille en plus. Attendez. Oh, une feuille! Et en plus des racines. Sur plusieurs vidéos, j'ai vu qu'il y en a qui galéraient à faire des feuilles vertes et blanches. Il y en a qui en ont des toutes blanches, il y en a qui en ont des toutes vertes. Apparemment, il faut couper pour pouvoir refaire partir les variegations. Donc j'espère que je ne vais pas avoir ce problème-là. On verra, je vous tiendrai au courant. On verra en fonction de la culture que je leur donne, de l'exposition, de l'arrosage, etc. Toujours est-il que je suis trop fan. Je l'ai vu en gros sujet à Botanica à la Beige. Il était plus joli qu'il y a quelques temps. Alors toujours 80 euros. 79 ou 80 euros, quelque chose comme ça. Mais pour le coup, il faisait plus de 30 cm, il était tuteuré, etc. Donc déjà, ça donne plus envie. Et pas mal de variegations quand même. Donc si jamais il y en a qui habitent pas loin de Toulouse et qui ont vraiment envie d'avoir un syngonium, je vous invite grandement à aller les voir. Et vu que j'ai la bouture, moi perso, je vais pas aller en acheter. Et puis là, la racine, elle est bien sortie, elle y était pas quand je l'ai eue. La feuille, elle était pas aussi développée, celle qui est en train de sortir. Donc je pense qu'il a l'air plutôt simple. Mais je m'avance pas trop. Est-ce que je vais devoir les mettre sous cloche, etc. pour leur donner un maximum d'humidité? Ça, on va voir au fur et à mesure. J'espère ne pas louper le coche. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de raison que je le loupe. Vu que je vais les yeuter à mort. Tous les matins, tous les soirs, je vais aller voir ça. J'ai vraiment hâte. Pour le coup, là, les variegations sont plutôt pas mal. Enfin, moi, ça me va en tout cas. Bon, s'il y en a un peu plus, tant mieux. Mais je me plaindrai pas s'il en fait pas trop non plus. Faut juste que je les mette à la lumière. Pas direct, je sais, on va voir. Donc ça, c'était le Albove variegata. Là, j'ai le Angustatum. C'est un peu comme le Trilif Wonder qui est juste à côté. Sauf que lui, il a la nervure blanche, comme vous pouvez le voir. Et je crois qu'à taille mature, enfin qu'à feuille mature, c'est 5 lobes, il me semble. Peut-être que le Trilif Wonder aussi. Enfin, en même temps, si c'est Trilif, c'est 3, donc je ne sais pas. On va voir, ma foi. Mais du coup, lui, je compte le tutorer directement, comme ça, je verrai bien la forme mature des feuilles. Alors là aussi, c'est une bouture quand même assez conséquente. Donc j'ai vraiment hâte de le voir. Est-ce que la racine, elle commence à se développer ou pas? Je ne sais pas. On peut la voir ici. Alors je sais pas si je cadre bien, on va voir. Mais on va voir s'il est compliqué. Il n'a pas l'air en tout cas. Enfin, les syngoniums que j'ai là n'ont pas l'air trop compliqués. Et tant mieux, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais je suis vraiment trop fan de toute cette collection. Mais franchement, d'un coup, j'ai eu 5-6 variétés de plus. Alors attendez, parce que peut-être bébête là. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce une alerte trips? Excusez-moi, mais prenez un café en attendant. Bref,
J'ai pas envie de les traiter de suite parce que je pense que le traitement, c'est un peu fort pour ces boutures-là. J'attendrai qu'ils soient un peu plus matures, un peu plus adultes, un peu plus formés et avoir un système foliaire un peu plus conséquent. Et voilà le angustatum. Alors, ici, c'est peut-être une bouture de néon robusta, mais c'est pas sûr. Enfin, celui-là, c'était peut-être un pink splash, mais alors elle n'est pas sûre. Déjà pour la forme, pour la couleur des feuilles, mais aussi... Alors, ce qui nous a induit en erreur, c'est que la feuille, elle avait le bord vert, la dernière, vous voyez. Et je pense que c'est juste un néon robusta. Enfin, juste. Ça me va, hein. Puis je le mettrai avec l'autre. Mais voilà, petite bouture d'un syngonium, du coup. Je dirais le néon robusta. Je vois des genres de petits cocons sous les feuilles, en fait. C'est ça qui me... Bon, si j'en vois un, je vous le montre, mais bon. Alors, lui, commence à tomber la feuille. Peut-être qu'il n'a pas eu assez de luminosité. Ou peut-être qu'il a froid, je sais pas. Alors, voilà. Voilà celui-ci. Je pense que c'est un... On va dire que c'est un néon robusta. Si jamais j'ai tort, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et là, pour le coup, ça, c'est le Pink Splash. Le dernier. Enfin, le dernier. L'avant-dernier. N'est-il pas trop beau? Il me fait cette feuille-là. Ici. Plus une. Attendez. Là. Je suis trop fan. Alors attendez, est-ce qu'il y a un petit cocon en dessous que je puisse vous montrer? Alors j'espère pas. Le Pink Splash, variété ultra à la mode sur les réseaux. Alors je le voulais pas parce qu'il est à la mode, je le voulais juste pour compléter ma collection de syngonium. Alors j'espère lui faire faire un petit peu plus de variegation rose. On verra si je suis fort en syngonium ou pas. Jungle Eden, si tu passes par là, n'hésite pas à me donner tous les conseils que tu peux, tu seras bien aimable. Merci! Amoureux de ces plantes-là, amoureux de la diversité. Alors je sais que là j'en ai un petit échantillon. Je dois en avoir, ouais, 14-15. Je dois en avoir des milliers dans la nature. J'ai pas fait de recherche encore. Je vais découvrir au fur et à mesure leurs besoins. Alors j'espère les découvrir avant de les faire claquer. Ce serait peut-être pas plus mal. Il a pas l'air d'être trop compliqué. Enfin, jusqu'à présent, il a pas fait super beau dehors. Il a pas fait super chaud non plus la nuit. Perlite, vermiculite, de l'eau. Et pour le moment, ça a l'air de lui convenir. Alors j'espère arriver à un stade un peu plus avancé. Mais vraiment, je suis trop fan. Je suis juste amoureux de toutes ces plantes-là, donc je vais faire le compte. Hein. On va dire que l'avant-dernière bouture, c'est le néon robusta. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il me semblait que j'en avais un 14e. Enfin bon, 13, c'est quand même pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà tous les syngoniums. Et je vais vous montrer le monstre. Voilà la bête. Donc ça, c'est le White Butterfly qui est parti d'une bouture de 4 feuilles. Je précise. Là, il y a des boutures déjà, vous voyez. Ici, et même une derrière, là-bas. Regardez-moi la taille de la feuille. Regardez-moi ça. J'ai jamais vu un syngonium avec des feuilles aussi grosses. Ici, celle-là, celle-là. Enfin bref, il a explosé. Depuis que je l'ai mis dehors... il vit sa meilleure vie. Alors il n'est pas au soleil direct, bien évidemment. Il avait des feuilles, comme vous pouvez le voir, qui ne voulaient pas sourire. D'ailleurs, qui ne veulent toujours pas sourire, pour certaines. Mais c'est parce qu'en fait, à l'intérieur, il était près de la fenêtre, avec, à côté de la télé, avec le néon, le mango et le maria. Il manquait de luminosité et d'humidité. Alors la luminosité, bien sûr, parce qu'il est très très grand quand même. Et du coup, ces feuilles-là, arrivait à la hauteur du store et du coup la lumière ne passait pas. Donc du coup je l'ai mis ici, il avait plus de lumière et d'humidité puisque je le brumisais tous les matins et soirs. Et il a explosé, regardez-moi ça. Je l'ai mis un substrat à racines intermédiaire bien évidemment. Et je me demande comment je vais faire pour le rentrer puisqu'en fait vous voyez le monstre. Je sais pas en fait comment je vais faire pour le rentrer. C'est compliqué. Mais voilà le plus gros syngonium que j'ai. Pour le coup, lui, il n'est pas compliqué. Hein. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tous mes syngoniums. Il me semble. Pas du tout! Pas du tout! Il en reste un encore. Attendez, paniquez pas. Le Batik. Une bouture que Digitalin m'a donnée aussi, avec les autres. Lui, je l'ai rempoté directement en aracée intermédiaire, puisqu'en fait, il avait déjà un système racinaire bien fourni. Et là, il est très instable. Alors, je vais essayer de ne pas le faire tomber. Donc, le Batik... Il a des feuilles un peu plus en fer de lance que le White Butterfly ici présent. Elles sont un petit peu plus rondes et elles sont un petit peu plus allongées. Les nervures sont bien plus blanches, enfin bien plus marquées. Et j'ai l'impression que le blanc ne se diffuse pas sur le limbe, contrairement à celui-là, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, putain, ça pue, j'ai traité tout à l'heure, ça pue la mort.
Du coup, je l'ai mis directement à la racine intermédiaire, comme je vous l'ai dit, puisqu'il avait un gros système racinaire déjà, il était bien fait. Donc voilà, j'ai pas voulu le mettre en permiculite. On va vite le faire s'adapter. Donc voilà, je l'ai déjà tutoré comme ça, j'ai pas de problème pour plus tard. Donc voilà, j'ai au final 14 variétés. Je suis trop fan, je suis addict au syngonium. Voilà, donc il m'en manque quelques-uns, hein. Il me manque le panda, il me manque tellement de variétés, mais voilà, franchement, je pense que ça me suffit, les variétés que j'ai. Je pense que ma collection, honnêtement, va stagner pendant un bon moment, à part pour le bégonia brevirimosa, mais sinon, en fait, j'ai plus trop d'objectifs plantes. Je les ai pas toutes, bien évidemment, mais j'en ai une très grosse partie. Ouais, honnêtement, je pense que j'ai plus vraiment envie d'avoir trop de plantes. Je pense que j'ai atteint mon quota où j'ai au moins les variétés que je voulais avoir. Bon, il faudra juste que je rachète un bégonia, parce qu'il est mort. Mais je le réserve pour une vidéo spéciale plante en PLS. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ferai un update dans quelques mois pour voir si je les ai tous maintenus en vie, si j'ai eu des problèmes, si j'ai réussi, là où est-ce que j'ai échoué, est-ce que j'ai galéré ou pas. Je vous parlerai des soins que je leur ai apportés. Donc voilà, pour le moment, c'est juste pour vous présenter toutes les variétés que j'ai eues. Croisons les doigts pour que ça marche. Il n'y a pas de raison. Il faudra juste que je trouve une place assez lumineuse ou sous la lampe horticole. Elle était pas assez puissante, je sais pas. Je suis dubitatif. Bref, je vous laisse sur ça. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je sais pas sur quoi ça sera. Mettez-moi des idées en commentaire, vous serez bien aimables. Et n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à kiffer. Très très important. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.